Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une migraine terrible. Ça va pas bien. J'ai très très mal au crâne. Et ça fait longtemps? Ah, ça va pas, Philippe. Ça va pas. Oh. Eh oh, Thierry. Thierry. Oh, tu m'entends, Thierry? Oh. Ici le poste de pilotage. Le chef de cabinet demandé au poste. Eh bien, Thierry se sent pas bien, il a perdu connaissance, je sais pas ce qu'il a, j'arrive pas à le réveiller. Tu peux faire un appel médecin, s'il te plaît, et demander, et l'envoyer un PNC pour s'occuper de lui? D'accord, bah, je fais un appel médecin et je t'envoie quelqu'un. D'accord, merci. Je laisse la porte ouverte. Alexia, tu peux aller t'occuper du commandant de bord, je fais un appel à l'équipage, il va pas bien. Ok, je m'en occupe. D'accord. Tiens, Alexia, tu peux reculer son siège et puis essayer de voir ce qu'il a, s'il te plaît? Thierry, tu m'entends? Serre-moi la main, Thierry. Thierry, tu m'entends? Je vais le bloquer sur son siège. Tu peux me passer le routier qui est là, s'il te plaît, Alexia? Tiens. Merci. Mesdames, Messieurs, l'état de santé d'un de nos passagers nécessite un avis médical. S'il y a un médecin à bord, nous le remercions de se faire connaître auprès de l'équipage. Philippe, j'ai fait un appel médecin, personne ne s'est présenté. Bon, bah écoute, vous allez le sortir du poste. Je vais faire un appel CCO et SAMU. Et c'est toi qui géreras le SAMU, par contre, depuis la SATCOM cabine, d'accord? D'accord. Donc, il faut que tu prennes la clé de la TMU et puis vous sortez du cockpit. On y va. Allez, c'est parti. Attention, Polonier. On assoit. Ok, c'est bon. Tu refermes la porte et puis tu vas venir t'asseoir là. D'accord. On va appeler le SAMU et donc tu vas mettre le casque. Okay. Et tu écouteras ce qui se passe pendant que moi je vais gérer le déroutement. Le CCO à l'écoute, bonjour. Le CCO, bonjour, ici la 35, l'Air France 3508, le Cayenne. J'ai mon capitaine qui a perdu connaissance, on n'a pas de médecin à bord. Ma CCP va vous appeler avec son téléphone SATCOM cabine. Est-ce que vous pouvez la mettre en relation avec le SAMU, s'il vous plaît? Bien reçu, 3508, je vous reçois 5. On va contacter le SAMU. D'ici là, pouvez-vous me donner quelques éléments concernant les symptômes du capitaine? On va leur demander à la CCP de le faire. Sinon, gardez le contact. Et je vais vous mettre en attente pour vous mettre en liaison avec le SAMU. À vous. Bien reçu, je reste à l'écoute. Je ne peux pas vous en dire plus. Il a perdu connaissance, j'arrive pas à le ranimer. Ma CCP qui va vous appeler va vous en dire plus.
Pour ma position, eh bien, je viens de passer depuis quelques minutes le point écoutant entre Lisbonne et Santa Maria. Lisbonne, Santa Maria, bien reçu 35-08, bien reçu votre position actuelle. On va la communiquer au SAMU. Sinon, bah, gardez le contact et je vais vous mettre en attente le temps de contacter le SAMU et vous serez à ce moment-là en conférence avec eux. À vous. Oui, bien reçu CCO. Ben, pour l'instant, je continue sur Santa Maria, c'est le plus près. Je prépare un éventuel déroutement vers Lisbonne. J'attends de voir ce que va dire le SAMU. Bien reçu 35-08. Restez en ligne. J'attends donc l'appel de votre CCP et je la mets en liaison avec le SAMU. À vous. Ok, merci. Je reste en ligne. C'est bon. On y va. Oxygène, allez. Oxygène. Donc on le met 4 litres minutes. Ouverture de la bouteille. Absolument. Tu mets le masque. Je mets le masque. C'est parfait. Allez, top. Ok, 90 pulsations par minute. Ok. Et 12 cycles respiratoires. D'accord. Le CCO, je vous écoute, bonjour. Oui, bonjour le CCO, ici la CCP du vol AF 3508 sur Cayenne. Je pense que vous êtes au courant de notre problème, il s'agit de notre commandant de bord. Il est tombé inconscient, brutalement, et on n'a pas de médecin à bord. Donc, pouvez-vous me mettre en relation avec le SAMU, s'il vous plaît ? Oui, bien reçu madame, je suis effectivement déjà au courant, restez en ligne. Je vous mets en conférence avec le pilote et le SAMU, restez en ligne. D'accord, je reste en ligne, merci. C'est plus loin que Stockholm et que les conditions météo sont à peu près les mêmes. On est à prendre du pétrole parce qu'il y a de la neige. Vous êtes en conférence, restez en ligne, j'appelle le SAMU. Merci. Allô Philippe, tu m'entends ? Oui Geneviève, donc je te laisse gérer la communication avec le SAMU. Moi, je vais m'occuper des options de déroutement et Alexia, qui est avec moi, me reste à l'écoute et me fera signe quand il y aura besoin de moi sur la fréquence. Ok, je gère la com avec le SAMU. Ok, merci, je quitte l'écoute. On va passer 11h20. Oui, le SAMU de Paris, bonjour. Le SAMU, bonjour, le CCO à l'appareil. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant un vol 3508, un Airbus 340. Un A340. Il a décollé d'Orly il y a 2h30. Orly, il y a 2h30, d'accord, et à destination ? Et il est attendu à Cayenne dans 6 heures de temps. Cayenne dans 6 heures. D'accord. Nous avons un souci avec le commandant de bord qui a fait un malaise et qui actuellement est inconscient. Commandant de bord qui a fait un malaise et qui est inconscient. D'accord, c'est bien reçu. Quelle est la position actuelle de l'Air France 3508 ? Alors la 3508 est actuellement à 40 minutes de Santa Maria et à 50 minutes de Lisbonne. Et 50 minutes de Lisbonne. Je vais vous mettre en relation avec l'équipage. Oui, d'accord, merci. AF3508 du CCO, vous êtes en liaison avec le SAMU, à vous. D'accord, merci. Oui, Air France 3508, ici le SAMU, bonjour. Pouvez-vous préciser le problème ? Oui, bonjour, ici la CCP du vol AF3508. Donc il s'agit de notre commandant de bord, il est tombé inconscient brusquement, ça fait environ 5 minutes. Et là, bah, il est allongé, on l'a mis en PLS sous oxygène. Oui, c'est bien reçu, madame. Je vais vous mettre en relation avec le médecin du SAMU. Vous ne quittez pas ? D'accord. Merci.
Oui, Michel. Oui, Michel, j'ai un avion Air France 3508, Paris-Cayenne, qui appelle pour le commandant de bord qui a perdu connaissance. Ouais, donc c'est 3508, c'est ça, et ils sont, c'est le Orly-Cayenne. Ok, et vas-y, passe l'appel. Oui, 3508, le médecin du SAMU, bonjour. Oui, bonjour, ici la CCP du vol F3508. Nous avons, il s'agit de notre commandant de bord. Il est tombé inconscient brusquement. Ça fait environ 5-6 minutes. On l'a mis en PLS, sous oxygène, mais il respire. Donc il est actuellement inconscient. Hein. Vous me confirmez qu'il est inconscient? Oui, c'est ça. D'accord. Quand vous le pincez très fort, il réagit ou pas du tout? Attendez. Pincez-le. Aucune réaction? Non, il ne réagit pas. Et sa respiration est ample et régulière. Hein. Vous assurez qu'il respire correctement de façon ample et régulière? Oui, il respire normalement. On a mesuré, il fait à 12 cycles par minute. Et sa fréquence cardiaque est de 90 pulsations par minute. Donc 12 cycles par minute. D'accord. Est-ce qu'il a fait des mouvements anormaux avant de tomber dans le coma? Non, il s'est juste plein de maux de tête et puis il est tombé brutalement inconscient. Donc ça fallait, d'accord. Et ses pupilles sont comment? Elles sont réactives à la lumière? C'est symétrique des deux côtés? Comment sont ses pupilles? Vérifiez les pupilles. Regarde ça. Pupille droite réagit normalement. Alors la pupille droite est réactive. Pupille gauche ne réagit pas, reste petite. La pupille gauche ne réagit pas et elle est plus petite. Donc myosis. Myosis à gauche. D'accord, donc vous l'avez bien évidemment placé en position latérale de sécurité, hein, vous confirmez? Oui, tout à fait, il est en PLS. Sous oxygène à 4 litres minutes. Oui, donc tout ça est bien pris. Est-ce que vous avez la possibilité de mesurer la pression artérielle et ainsi que sa glycémie, s'il vous plaît, madame? Oui, alors vous pouvez mesurer sa pression artérielle et sa glycémie. Il faudrait la prendre, vous ne quittez pas un instant, on fait les vérifications, je vous donne les infos dès qu'on les a. Ok, 143,69 pour la pression artérielle. Alors la pression artérielle, 143,69. 69 pulsations par minute. 69 pulsations par minute. Très bien. Alors, je vais vous donner les chiffres de la glycémie. Qu'est-ce que ça nous dit ? 7,7. La glycémie, 7,7. 7,7 de glycémie, c'est bien noté. Donc là, actuellement, vous êtes à 50 minutes de Lisbonne et 40 minutes de Santa Maria. Hein. Vous confirmez ? Bah, écoutez, moi, je pense que le déroutement vers Lisbonne me paraît le plus adapté, hein, vu la situation. D'accord, ne quittez pas. Le pilote va reprendre la communication. Alex, tu préviens Philippe, s'il te plaît, et moi je reste en communication également. Ok, oui, je reste à l'écoute. Philippe, il y a le SAMU qui veut te parler. Oui, le SAMU, ici le pilote, je vous écoute. Oui, bonjour Capitaine, donc le médecin du SAMU, dites-moi. Donc là on est dans une situation où je pense que le déroutement va s'imposer. D'accord. Donc là actuellement vous êtes à 50 minutes de Lisbonne et 40 minutes de Santa Maria, hein, vous confirmez? Bah, écoutez, moi je pense que le déroutement vers Lisbonne me paraît le plus adapté, hein, vu la situation. D'accord, bien reçu. Pas Santa Maria, parce qu'on n'a pas le bon plateau technique, hein, donc le déroutement me paraît indiqué et sur Lisbonne plus que Santa Maria. Oui, bien reçu docteur, je vais donc me dérouter vers Lisbonne. Vous vous chargez de prévenir le SAMU à Lisbonne? Alors effectivement, on va voir ça avec le CCO, donc on va organiser l'accueil médicalisé à Lisbonne et une orientation hospitalière rapide via le chef d'escale à Lisbonne. Le CCO s'est suivi? Affirmatif, docteur, on contacte le chef d'escale de Lisbonne et on s'occupe d'organiser l'accueil à l'arrivée et l'accueil médicalisé. Le dispatch de chez nous a vérifié l'accessibilité. C'est une escale Air France. Bon, et en plus, le chef d'escale est quelqu'un de très performant là-bas. Donc, pour nous, c'est notre préférence.
Oui, d'ailleurs, CCO, vous resterez en ligne après la communication avec Air France 3508. Hein, on verra ensuite les modalités d'accueil et le transfert vers l'hôpital. D'accord, docteur, on voit cela après. Très bien. Air France 3508 de SAMU. Oui, SAMU 3508, je vous écoute. Oui, donc là, en attendant là, les consignes de surveillance, hein, c'est surveiller de façon très attentive sa fréquence respiratoire, de surveiller l'état de conscience. Et je pense qu'il serait raisonnable de préparer le défibrillateur automatisé externe et de le mettre à portée de main, hein, sans l'installer bien sûr sur votre capitaine. Et en tous les cas, de le laisser à portée de main si on avait malheureusement besoin de s'en servir. Hein. C'est bien pris? Oui, d'accord. On va le surveiller attentivement et on prépare le DSA. Merci, docteur. Ok, bah écoutez, bon courage 3508. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Hein. Oui, d'accord. Merci beaucoup, docteur, pour votre aide. Je vous rappellerai en cas de besoin. Au revoir. Ok, on est à votre disposition jusqu'à votre arrivée sur Lisbonne. Merci. Donc, CCO, je déroute vers Lisbonne. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un OFP par ACARS pour Lisbonne avec donc une estimée Gunti estimée avec un carburant de 42 tonnes 4 à bord et le niveau 3,50. Ok, bien copié, je transmets au dispatch pour vous envoyer un OFP pour Lisbonne au niveau 3,50 avec à Gunti un carbu à 42 tonnes 4. À vous. Très bien, merci. Je vais quitter l'écoute. Je vous rappelle en cas de problème. Ok, on reste à votre disposition. Ok, merci, je n'hésiterai pas à vous rappeler. Heading 1107. Check. Pan Pan. Air France 3508. Pilot incapacitation. Position is 180 miles west of Gunti. Diverting to Lisbon. Maintaining flight level 350. Oui, le CCO pour le SAMU, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, donc le CCO, je pense que vous allez prendre contact avec le chef d'escale de Lisbonne. Juste après. Très bien, donc il faudra quand même qu'on s'assure que l'établissement hospitalier vers lequel on va diriger votre commandant de bord sera équipé d'un service de neurochirurgie, également d'un plateau de radiologie interventionnelle et bien évidemment la disponibilité du scanner et de l'IRM. Il faut s'assurer que ces deux appareils, donc le scanner et l'IRM, sont effectivement fonctionnels et disponibles. Et bien évidemment, moi je suis à la disposition du chef d'escale et éventuellement du médecin de l'hôpital de Lisbonne pour rentrer en communication, expliquer les circonstances, le bilan clinique et puis échanger au mieux pour qu'on optimise l'accueil de votre commandant de bord. Ok docteur, j'ai pris note, je transmets au chef d'escale. Et surtout, vous confirmez bien à Air France 3508 qui n'hésite pas à nous recontacter hein, pour la surveillance et puis vous leur dites qu'on est de tout cœur avec eux, voilà. Ok docteur, nous faisons le nécessaire, merci pour tout, au revoir. Ok, merci CCO, à plus tard.